Madame Popilet, merci de nous avoir rejoints. Vous avez eu un peu un résumé en quelques... Vous avez, je pense, compris la teneur du débat et la question qui était en train d'être posée. Vous aviez vous-même pris position en signant une tribune dans Les Échos en février dernier, justement en demandant, qui était co-signée d'ailleurs avec Philippe Duron et d'autres membres du COI, en demandant des engagements sur le financement. Bérangère Abba, juste avant que vous arriviez, parlait de confiance en fait, et de la volonté, y compris chez les parlementaires En Marche, d'avoir un financement d'ici le PLF. Dans quel état d'esprit vous êtes ? Oui, bonjour. Bon, alors c'est vrai que je prends un peu la discussion en cours, donc là, je vais peut-être répéter des choses qui ont déjà été dites. Mais en tant que législateur, on ne peut pas se satisfaire d'une loi non financée. Je pense que là, on est tous d'accord là-dessus. Parce que l'intérêt même de la loi, du coup, serait grévé. Et c'est pourquoi on est un certain nombre à pousser pour avoir des engagements du gouvernement pour qu'on aborde la CMP dans des bonnes conditions. Alors, les engagements du gouvernement, moi, je ne demande pas... En plus, nous, on est dans la majorité, je vous rappelle. Donc, on a quand même un travail de collaboration à faire avec le gouvernement. On ne demande pas au gouvernement, forcément, d'être dans les détails les plus précis, puisque, par définition, le financement se décidera en grande majorité en projet de loi de finances, et que le projet de loi de finances, par définition même, est aussi débattu dans nos deux assemblées. Donc, et il peut être amendé. Mais ce qu'on souhaite, c'est que sur les deux points, parce qu'on a deux points hein, sur le financement, qui est le point AOM et le point infrastructure. Sur ces deux points-là, ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement puisse nous dire assez clairement vers où on va, pour qu'on puisse avoir une base. On a fait, j'imagine que Bérangère Abba en a parlé tout à l'heure, sur l'aspect infrastructure, qui est un point très important, qui avait soulevé de nombreux débats dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Nous, on a pris le sujet à bras-le-corps en se disant, bon, tant que les arbitrages budgétaires ne sont pas finis, on va pousser la réflexion sur un certain nombre de pistes de financement qui avaient été mentionnées pendant les débats à l'Assemblée nationale et qui méritait d'être mieux exploré. Donc on a eu une réunion cet après-midi, encore une fois je vous répète peut-être ce que vous a déjà dit Bérangère, une réunion cet après-midi qui était transpartisane, hein, donc on avait des députés de tous bords, et on a fait un certain nombre de propositions thématiques qu'on a retenues et sur lesquelles maintenant on va faire un travail plus poussé sur d'abord combien chaque proposition peut nous rapporter quels sont les points positifs et les points négatifs de chaque proposition, avec une représentante du ministère qui était là, du cabinet de la ministre Elisabeth Borne, puisque Elisabeth Borne souhaite aussi qu'on puisse apporter notre pierre, et pour essayer en fait, parce que l'arrière-pensée est quand même une arrière-pensée, on va dire. Voilà. Non, mais que si on réussit, nous tous, de manière transpartisane, à se mettre d'accord sur une piste, du coup, cette piste aura forcément un poids par rapport aux arbitrages qui vont être faits. L'idée n'était pas d'aboutir là, juste avant la CMP, mais de pouvoir mettre des jalons. Et le fait qu'on n'ait pas écarté la taxation de l'aérien, le fait qu'on ait abordé la question d'une hausse de TICPE, la TVA aussi, le fait qu'on ait aussi des idées qui sont portées sur notamment les concessions autoroutières, etc. Enfin, on va loin hein, dans les possibilités, mais fait que c'est aussi un signal vis-à-vis du gouvernement que si eux ne se décident pas à trouver des solutions, bah nous, on va en trouver. Et on va les porter tous ensemble. Je crois que ça pèse. On verra ce que ça donnera. Mais voilà où on en est à ce stade.